Alors, cela fait plus d'un mois que je n'ai pas touché la caméra. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je partais pour le boulot pendant 2 semaines. Quand je suis rentrée, je suis tombée malade, très très malade. J'avais une pharyngite, mais qui était horrible. Donc, je n'ai pas pu filmer. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups, étant donné que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu vraiment une journée pour moi où je prends soin de moi, où je fais des choses qui me font du bien. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous partager ça? Comme ça, peut-être que ça va vous inspirer à faire la même chose. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle The Wheel of Wellness, qui est un petit peu une roue avec plein de compartiments. Je vous la mettrai à l'écran. Où en fait ce sont tous les points de la vie à cultiver pour avoir une vie équilibrée. Et on va voir un petit peu ces points-là aujourd'hui. Bon, il y a certains points qu'on ne va pas voir, comme par exemple l'aspect financier, étant donné que là je prends soin de moi-même et je n'ai pas envie de penser aux finances. Mais on va un petit peu cultiver tout ce qui est environnement physique, tout ce qui est mental, intellectuel, etc. Donc on commence tout de suite avec tout ce qui est environnement. Donc je vais ranger ma maison, je vais faire la vaisselle, faire une lessive, ranger le linge propre, etc. Parce que je ne peux pas fonctionner normalement si mon chez-moi est désordonné. Je déteste le désordre. Je ne peux ni me reposer, ni faire quoi que ce soit en fait si chez moi c'est pas bien bien rangé. Donc on commence tout de suite avec ça. Bon, le mien, comme vous pouvez le voir, il est déchiqueté, mais de ce côté, il est pas trop. Et regardez la différence. Alors, seconde astuce, c'est une solution en fait pour nettoyer tout ce qui est surface, tout ce qui est lavabo, en fait, tout ce que vous voulez chez vous. Moi, je n'achète jamais les produits nettoyants chimiques, étant donné qu'ils contiennent des perturbateurs endocriniens, et moi ça j'ai des problèmes de santé qui m'empêchent d'utiliser tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc moi j'utilise ça, c'est naturel. Alors je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous montrais comment je nettoie ma bibliothèque. Donc je mets un quart de vinaigre, trois quarts d'eau, je mets un petit peu de liquide vaisselle et je mets de l'huile essentielle de menthe poivrée. Pour l'odeur, donc vous pouvez mettre n'importe quelle huile essentielle que vous voulez juste pour ne pas avoir l'odeur du vinaigre. Et le mien, il est marron parce que le vinaigre est coloré, parce que c'est le seul vinaigre d'alcool que j'ai trouvé, il était coloré, donc voilà. Il faut utiliser du vinaigre d'alcool par contre. Alors, j'ai fini tout mon ménage, tout rangé, j'ai préparé déjeuner et on a déjeuné. Je me suis reposée un tout petit peu pendant 10-15 minutes et là, je vais faire une séance de yoga. Donc, on va passer à l'aspect physique de la journée. Donc, idéalement, j'aurais fait une séance de musculation, mais comme je vous ai dit, je suis en train de me rétablir de ma pharyngite. Je suis vite essoufflée, ça me fait un petit peu mal. Donc, je préfère ne pas faire quelque chose qui me fasse suer et qui me fasse en fait faire beaucoup d'efforts. Donc je vais faire une séance de yoga avec Yoga with Adrienne. Je n'ai pas encore choisi, je vais voir ce que je vais choisir.
Je vais diffuser de l'huile essentielle, ça va être en réaction, j'ai besoin d'étirement et ça va me faire beaucoup de bien. Activité que j'adore faire qui me fait beaucoup de bien, c'est de faire quelque chose en fait de manuel avec mes mains. Donc des fois je fabrique de petites décorations, je fais quelques petits trucs à la maison. Là en l'occurrence ce que je vais faire c'est une tarte aux pommes, donc ça me permet d'utiliser mes mains pour faire la pâte, pour préparer la crème. Là j'ai jamais fait de tarte aux pommes, ce sera une première fois, donc j'ai choisi une recette, j'ai déjà préparé la pâte, donc elle est déjà au frigo et je vais aussi faire un gâteau au chocolat, donc je vous emmène avec moi. J'ai fini de préparer le dîner, j'ai préparé le gâteau au chocolat, j'ai préparé la tarte aux pommes. Donc là, je peux prendre soin de moi. Il est 19h15, je dois récupérer mon petit frère de la piscine à 20h, donc j'ai 3 quarts d'heure pour prendre soin de ma peau. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de gommage, de masque, etc. Et c'est vrai que quand j'étais adolescente, quand tout le monde avait de l'acné, moi j'en avais pas du tout, j'avais jamais de problème avec ma peau. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai plein de boutons qui apparaissent aléatoirement sur ma peau. Et donc pourquoi pas me faire quelques petits masques. Donc j'ai fait bouillir de l'eau pour... histoire de dilater mes pores, mais d'abord je vais me faire un petit gommage, ensuite je dilate mes pores et je me fais deux masques, il me semble, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on passe à présent à l'aspect intellectuel et pour moi, le meilleur moyen de cultiver ça, c'est toujours les livres. Et donc, j'aimerais vous parler de ces livres que j'ai reçus. Alors, j'en ai reçu deux de la maison d'édition Mardaga. Sincèrement, c'est une maison d'édition que j'adore à présent. Donc, le premier, c'est Burnout, des histoires vécues pour le prévenir, l'éviter et s'en sortir. Je vous lis la quatrième de couverture. Depuis plusieurs années, mais encore davantage depuis la crise sanitaire et la généralisation du télétravail, les cas de burn-out sont en progression spectaculaire. Mais comment en arrive-t-on au burn-out? Quelles en sont les causes? Quels sont les signaux d'alerte? Comment l'éviter? Que faire pour en sortir? Adrien Chignard, psychologue du travail, réunit dans Burnout 6 experts. Adrien Chignard, psychologue du travail, réunit dans Burnout 6 experts pour décrypter avec lui ce phénomène. Il nous présente 6 histoires vraies, chacune illustrant un facteur déclencheur du burnout en situation professionnelle, qu'il s'agisse d'une surcharge de travail, d'un manque de contrôle, d'un sentiment d'injustice ou encore de conflit d'éthique. Donc voilà, c'est un guide pratique pour comprendre, anticiper et agir et je trouve que c'est très important d'en apprendre plus sur ce sujet étant donné qu'effectivement ces dernières années on entend de plus en plus de personnes parler du burn-out. Et le second livre que j'ai reçu c'est La vérité sur le bonheur, je vous lis également la quatrième de couverture. Le bonheur est-il à portée de main? Quel est le secret pour y accéder? La recette du bonheur est-elle la même pour tout le monde? Peut-on se fier aux lois universelles et aux conseils des anciens pour le trouver? Depuis la nuit des temps, la quête du bonheur a passionné un grand nombre de penseurs et de philosophes. D'innombrables conseils et recettes pour l'atteindre ont été prodigués, qui circulent toujours aujourd'hui dans la sagesse populaire. Mais que peut-on réellement en tirer? Fasciné depuis toujours par cette question, Jonathan Haidt,
sais pas comment prononcer son nom, a identifié plusieurs idées et réflexions universelles sur le bonheur. Les passant au crible des connaissances scientifiques d'aujourd'hui, il en tire des leçons qui s'appliquent à la vie de tous les jours, dans un mélange d'humour et de pédagogie, d'anecdotes anodines et d'études psychologiques, l'auteur nous conduit dans une exploration du bonheur. Cet ouvrage nous incite à équilibrer les contraintes et à aller chercher le bonheur qui se trouve en nous, en nos relations, dans l'adversité, dans les petites choses du quotidien. Donc voilà, c'est deux livres que j'ai reçus, que j'ai hâte de lire. Et très sincèrement, je trouve que la qualité des livres de la maison d'édition Mardaga sont vraiment excellents. Donc non seulement de par le papier, l'impression, mais la mise en page et la structure, en fait, elle est très très intéressante. Donc je vous incite vivement, ne serait-ce que de feuilleter leurs livres si vous les croisez en librairie. Très sincèrement, comme vous savez, j'achète plein de livres des maisons d'édition déjà qu'on connaît tous. Mais là, Mardaga, sincèrement, chapeau pour la qualité de leur livre parce qu'elle est vraiment, vraiment très bonne. Et sinon, j'ai reçu un autre livre qui est l'Encyclopédie du bien-être. Donc, je vous lis également la quatrième de couverture. Être heureux, ça s'apprend. Dans cet ouvrage, Jean Laval vous propose des clés pour vous épanouir car être heureux est un droit qui appartient à tous. Véritable guide présentant les piliers du bien-être, ce livre répond à toutes les problématiques personnelles, professionnelles, relationnelles, mais aussi spirituelles qui peuvent se poser au cours de votre vie. Jean Laval a acquis tout au long de ses innombrables voyages et expériences la connaissance la plus pure qu'il partage d'une façon claire et accessible avec tous ceux qui souhaitent faire passer leur vie au niveau supérieur. Un manuel indispensable pour accéder au bonheur. Et en fait, ce livre-là, je l'ai reçu avec ce jeu de cartes. Donc, le créateur de ce jeu de cartes, c'est l'auteur de ce livre. Et ce jeu de cartes s'appelle « Et si on faisait connaissance, le jeu pour apprendre à vraiment se connaître » par Jean Laval. C'est un jeu de cartes avec des questions qui va vous permettre en fait d'animer un petit peu vos soirées entre amis ou entre familles. D'ailleurs, il y a ma sœur qui est chez nous, donc ce soir après le dîner, on va y jouer. Que j'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Il me reste deux choses à faire. Donc l'aspect spirituel, pour ça je vais faire une méditation. Je vais faire une petite méditation de 10 minutes parce que j'ai sommeil, je sais que je vais m'endormir. Et sinon après, bon, je vais lire mon livre. Alors en ce moment, je lis Tout le bleu du ciel. Donc c'est un livre que j'ai croisé sur Goodreads, si je me souviens bien. Et il y avait plein d'avis positifs dessus, j'ai eu plein d'avis positifs sur ce livre et du coup je me suis dit allez tiens je vais lui donner une chance. J'ai commencé à le lire, j'ai lu la première, deuxième page, j'ai pas accroché et ensuite j'ai vu que Isadora et Marisa l'ont lu pour leur book club et qu'elles ont adoré, que tout le monde a adoré. Du coup je me suis dit allez tiens je lui donne une seconde chance. Là je suis à 2% du livre, donc vraiment j'ai pas lu énormément, je suis encore au premier chapitre. Je n'accroche toujours pas vraiment, mais j'ai vraiment envie de lui donner une chance d'aller au moins jusqu'à la moitié et de voir par la suite, après si ça ne me plaît pas, je vais l'abandonner. Mais étant donné que tout ce monde dit autant de bien sur ce livre, ça veut dire qu'il doit être vraiment bien. Surtout qu'Isadora et Marisa, elles aussi ne voulaient pas le lire et finalement elles ont adoré. Donc voilà, si vous l'avez lu, dites-moi, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Thank you.
voilà, ma journée touche à sa fin. J'ai fait quasiment tout ce que je voulais faire aujourd'hui. J'avais une liste sur mon téléphone. Il y a juste un truc que j'ai pas fait, c'est jouer de la basse. Ça fait aussi un moment, plus d'un mois, peut-être même 2 mois, que j'ai pas touché à ma basse. Et donc je voulais vraiment jouer de la basse aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, c'est pas grave, je le ferai un autre jour. Mais sinon, pour tout le reste, je peux checker, je l'ai fait. Donc j'en suis très contente, je me sens très bien, je suis contente d'avoir pris cette journée pour me faire du bien. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Le format était un petit peu différent étant donné que je vous ai vraiment pris pendant toute ma journée. Vous avez vu tout ce que j'ai fait aujourd'hui et j'espère que cette vidéo va vous motiver à vous aussi faire des choses qui vous font du bien, faire ces choses que vous n'avez pas fait depuis longtemps et de prendre une journée, une demi-journée, peut-être même 1 heure ou 2 heures pour faire des activités qui vous font vraiment du bien. Et sinon, n'hésitez pas à partager dans les commentaires quelles sont justement ces activités qui vous font du bien. Donc me voilà de retour, les vidéos vont reprendre et du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, comme ça je saurai que vous aimez ce format et je vous ferai plus de vidéos de ce genre-là.